Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve avec Simply Evie. Evie tout court si vous voulez, pour les intimes. Donc retrouvez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Sur sa chaîne on a réalisé donc une vidéo closet swap. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo où on fait un challenge qui a assez tourné surtout sur les autres chaînes qui sont plutôt anglophones. Ouais, les américaines genre Gabi, Aspin a fait Gabi, comment c'était les jumelles, Gabi, Nikki. Ouais, Nikki et Gabi. Ouais. Je pense que c'est elles qui ont lancé le truc. On a kiffé le concept. Ouais, on a trouvé ça vraiment cool. On a eu envie de le réaliser aujourd'hui. Donc le concept c'est d'aller dans les lieux qui sont normalement moches. Ouais, et de faire des jolies photos à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu qu'ils font des photos genre avec un photographe professionnel. Donc les photos c'est genre... Waouh. Ouais. Nous on a décidé simplement de faire des vidéos, des photos avec notre iPhone. Voilà. Et vous montrer que c'est possible de faire des jolies photos même avec un téléphone. Du coup, les photos elles seront sur Insta. Donc pensez à nous suivre sur Insta. Ouais, je mettrai... Premier endroit. Le lavoir. Alors, comment dire que ici, enfin je pense que c'est partout. Non, il y a des beaux lavoirs avec des gens normaux. Ouais, mais je crois que un peu partout les gens ils te regardent bizarre si tu fais des photos dans un lavoir. Mais en plus, en Belgique, j'ai l'impression le concept réseaux sociaux. On vient du Hainaut déjà. Donc quand t'es dans un village, déjà les gens quand tu fais des photos, ouais, ils disent mais qu'est-ce qu'elle m'a fait celle-là. On a eu envie de faire des photos avec un chewing-gum. Enfin moi c'était le chewing-gum et toi c'était les bulles. Ouais, moi je voulais faire des bulles parce que c'est savon bulles. C'est toujours bien d'avoir un petit accessoire genre des bulles ou un chewing-gum, enfin un petit truc avec lequel jouer et du coup faire un petit truc en plus. Alors moi ma préférée c'est celle-ci. J'ai une grosse chic dans ma bouche. Chic, et c'est merci bien à la photographe. Hein. C'est chewing-gum, ouais. Merci Evie. Et alors qu'est-ce que j'allais dire? Mais j'étais dans le séchoir, j'avais mon cul dans le séchoir. La fille elle voulait se mettre dedans. Et franchement ils étaient bien 5 à nous fixer. En plus en rond. Désolée si je touche là mais il y a un truc qui sort là et ça me gratte. Bref. Et il y avait en plus une inondation. Donc moi je voulais faire des photos par terre. Ils avaient inondé dans la moitié du truc. On adore. Franchement les backstage de ce photoshoot là c'est incroyable quand même. Ouais, enfin on vous met les images de toute façon aussi. Alors, toi, t'as préféré ? Moi, c'est celle où je suis par terre avec les bulles. Enfin, je trouve que c'est vraiment fun, les bulles, je trouve ça mignon. À la pompe à essence, grosse catastrophe. Ouais. Parce qu'il fallait déjà trouver une pompe à essence où il n'y avait pas trop de monde. Ensuite, donc on a trouvé une pompe à essence plus ou moins calme. Et puis, attends que la voiture de devant sortir. On a trop peur. Donc, il y a tout le monde qui nous regarde. Mais il y avait des personnes qui tenaient cette pompe à essence et qui n'étaient pas d'accord. Donc, on pas s'est fait jeter. Moi la photo que j'ai préférée là-bas. Mais t'as même pas dit, du coup on a trouvé une autre pompe à essence. Ah oui, bah oui, il y avait absolument personne. On a trouvé la deuxième solution, la troisième solution. Après la première éjection. C'était pas fructueux hein. On a trouvé une pompe à essence sans personne, donc ça devrait aller. C'est allez, parti. C'est parti. Here we go. Donc moi la photo que j'ai préférée, c'est simplement quand je mets de l'essence, on faisait semblant. Je mets de l'essence. Et j'avais pris ma bouteille Coca-Cola, faire genre je bois un coup en prenant de l'essence. Moi aussi c'est pas celle que je préfère parce que j'étais pas non plus à l'aise en ma tenue. Mon t-shirt est assez court donc il remontait et j'aime pas quand on voit mon bidou, voilà. Donc ouais, en plus mes jambes avec ma jupe qui était courte et... D'ailleurs, on a choisi quasi la même tenue, un haut jaune et une jupe. Ouais. C'était pas fait exprès, mais c'est trop marrant. Non, mais ça nous arrive souvent d'avoir ça. Ouais, et du coup, je pense que c'est un bon conseil aussi de choisir des tenues qui sont jolies, parce que forcément, ça va un petit peu gayer la photo, et dans lesquelles vous vous sentez bien. Ouais. Ensuite, donc, on a été au supermarché. C'était pas pratique du tout, déjà pour les éclairages,
puis les employés qui nous regardent comme si on allait voler ouais, un truc. Ouais, en fait, ils trouvent ça louche qu'on soit ouais, après j'avoue. Des trucs. Enfin, je comprends aussi, je travaillerais là en tant que vendeur, je me dirais mais qu'est-ce qu'ils ouais, font pourquoi les gens elles tournent, qu'est-ce qu'elles font ouais. Mais on s'est pas fait jeter là-bas, les gens nous regardaient ouais. bizarre, on s'est pas fait jeter. Nous sommes chez Carrefour désormais. Oh yeah. Donc c'est le troisième spot photo. On espère qu'on va pas encore se faire jeter. Ouais, parce que c'était assez délicat. En plus, il y a l'air d'avoir plein de monde dans le magasin. Moi j'ai beaucoup aimé la photo où... Avec les glaces ? Ouais, où on a fait ouais. les glaces. Par contre je sais pas si ça me met vraiment en valeur quand je suis assise devant. Moi je la trouve trop belle. Je sais pas, elle est trop j'hésite bien. Encore à vous choisir. Vous me direz en commentaire. Moi à la base je voulais faire une photo avec des jus d'orange parce que si vous le savez pas, mon feed Instagram il est par couleur. Donc tous les mois c'est une couleur différente. Bref, c'est la cata. Alors il y avait des photos pas mal mais c'est pas celle-là que je préfère. Je pense celle que je préfère c'est avec les bonbons par terre. Dernier spot, la jardinerie. Oui. Moi je sais pas si c'est là que j'ai fait les plus belles photos. Je sais pas. Moi je la trouve jolie. Je la trouve vraiment sympa avec les fleurs et tout, c'est coloré. J'aime Kobe. Elle avait mis du coup sa petite tenue ici. Oui, petite et c'était tenue pas de fermière. C'est trop marrant parce que j'ai l'air d'une fermière et en gros je suis dans une jardinerie, j'ai l'air d'une fermière, c'est trop marrant. Enfin, encore voilà. une fois là ils ont vu qu'on faisait des photos mais voilà, ils ont pas acheté. Ils ont été assez sympas. Et toi, celle-là on vous la met franchement, ils vont rien voir je crois là. Bah, j'ai l'impression qu'on voit quand même. Ça y est, on est à notre dernier spot. On est maintenant dans une jardinerie. Et on essaye de trouver des plantes assez colorées, des palmiers, enfin... Des trucs mignons. Ouais, voilà. Laquelle est ta préférée pour le coup ? Avec la fleur, moi. Avec la fleur rouge sur le côté. Ok. Et toi ? Ouais. Moi du coup, je pense que c'est celle où je choisis les fleurs. Moi j'ai décidé de créer un hashtag et je lance au défi mes abonnés. Tagli avec mes vies, comme ça je suis taguée dedans. Ok, aussi. Ouais on fait ça. Comme ça on pourra venir voir vos photos. Ouais, que vous faites dans les endroits moches. Ouais, faites ça devant un Locasix aussi et tout. Bon, allez, à vous de jouer maintenant. J'ai trop hâte de voir ce que vous pouvez créer. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça nous a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup voilà. de temps. Et comme The Vince Elements le disent, à bon allez, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Gros bisous.